chanson que cette mise en scène était certainement destinée à une opération de désinformation. Le dispositif mis en place est relativement simple. Ces hommes surveillent la mer, deux d'entre eux sont des plongeurs. L'homme que vous voyez marcher devant vous joue sans aucun doute le rôle du responsable. Remarquez comment on va finir par voir son visage. C'est lui. Cet homme nous est totalement inconnu. Il n'a rien vu. Maintenant, faites très attention à ce qui va se passer. Cette tache que vous voyez au milieu de l'image, c'est un homme qui nage. D'où vient-il? Explique le groupe qui était. On serait tenté par une réponse affirmative. Si nous la réservons, c'est que les images qui vont suivre ne sont plus volées. Nous avançons l'hypothèse que le caméraman était au courant de la réalité de la mission, tant il insiste sur ce plongeur. Il doit savoir qu'il voit cet homme pour la dernière fois. Regardez-le bien, car dans quelques secondes, il va disparaître sous vos yeux. Cet homme en plein milieu de la mer est une arme redoutable. Ce qui va suivre n'a pas été mis en scène. Que s'est-il passé? Le plongeur est affolé, il n'est pas équipé. Il veut remonter sur le canot, le nageur l'en empêche. L'autre plongeur semble les suivre un instant du regard. Ils ont dû passer sous le canot. Le plongeur essaie de nouveau de monter à bord. Pourquoi personne ne l'aide? Le nageur intervient. Notez toutefois qu'il ne le fait pas avec une brutalité excessive, alors qu'il le pourrait. L'autre plongeur les suit du regard. Ils ont dû rapidement disparaître, car il semblerait qu'il les ait perdus. Il plonge. Il n'a rien vu. Attention! Le caméraman les a repérés, 600 mètres au moins les séparent du canot. Comment peut-il se déplacer aussi vite? Regardez, il tient toujours le plongeur avec lui. Il l'entraîne, cet homme est doué d'une force prodigieuse. Attention, il vient de réapparaître à une distance d'au moins 400 mètres du canot. Il nage avec une aisance déconcertante. Ce jour-là, cet homme avait décidé de ne montrer qu'une infime partie de ses possibilités. Il plonge de nouveau, on ne les reverra plus. Tout cela s'est déroulé en temps réel, 34 secondes exactement. 34 secondes exactement. L'autre plongeur est totalement déconcerté par ce qu'il vient de voir. Il s'obstine à regarder au fond de l'eau. Il sait pourtant qu'il n'y verra rien. Le caméraman nous montre qu'il manque une personne sur ses canaux. C'est la preuve. 7 jours plus tard, le plongeur a été récupéré sur une plage. Cet homme est enfermé dans un asile psychiatrique. Il est le seul à savoir.